Salut à toutes, à tous, c'est Knarf, je suis au Superbooth 2024 à Berlin avec Simon. Salut Simon. Salut Knarf. Voilà. Alors, il y a des plugins, mais il y a aussi des modules Eurorack chez Homeforce. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, on est deux passionnés d'Eurorack chez Homeforce et on avait très envie. Ouais. Et voilà, on s'est fait pour nous cool, et en fait c'est bien. Donc voilà, on l'a sorti. On a sorti l'homicide. L'homicide ou Homicide. Ok, ouais. Cool. Donc la multibande, le plugin de multibande distorsion qu'on a donc strippé pour remettre en Eurorack. Donc maintenant on a une bande. Mais en fait on s'est concentré quand même sur la sélection de la bande, le processing, c'est important pour nous. Une distorsion ça va pas partout. Donc là tu peux vraiment décider de où tu mets ta distorsion, quelle bande, avec que le signal haut qui est processé et avec un low pass filter in qui permet aussi d'enlever des harmoniques sur l'input. Et après un low pass filter out pour un peu la calmer quand la disto part un peu dans les aigus. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'entrées sorties là. Tout est si viable en fait. Il y a 4 atténuateurs sauf pour les 2 filtres d'entrée. D'accord, ouais. Et le type et la famille, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même 37 distorsions fois 3 familles de distorsions, ça en fait 111, on a fait le calcul. Okay. Et du coup ça fait énormément de distorsions et à chacune on peut modifier le paramètre de la distorsion directement avec le mode. D'accord, ouais. Et le bias connu pour chacune des distorsions qui va rajouter un 10 et offset au signal d'entrée et qui va faire taper plus fort dans le haut du signal. D'accord. Je vois, tu as un petit écran là avec des infos. Alors, il y a ça, c'est le nom des différents presets. Ouais. Donc les différentes distos, pardon. Ouais. Des différentes familles qu'on voit en haut à droite, la standard qui est l'algo standard, l'algo X qui est plutôt orienté émulation de pédale, et l'algo odd qui est pour les fous qui veulent rajouter des harmoniques, ça permet de tuner les harmoniques qu'on rajoute. Ah la vache. C'est pour ça qu'on a mis un filtre derrière. Et puis on a rajouté des trucs parce qu'on a vraiment envie d'avoir un module qui soit pour la performance. Donc on s'est dit, quand on trouve une disto qu'on aime bien, on double-clique et puis on peut l'ajouter à une liste de 8 steps. Ouais. Et ça va sauvegarder un petit peu cet état-là du module. Et puis après on peut passer en performance, donc quand on est dans un live, on peut passer en performance. Donc on peut avoir que là on va avoir un CV mode, trigger mode. Et par exemple le trigger mode, si je mets une guette à l'intérieur, je vais faire avancer ma séquence de distorsion. Et on peut choisir si on veut sauvegarder juste le nom de la disto et sa famille, ou tous les paramètres aussi, ou quels paramètres on veut garder. Moi j'ai envie de les performer, j'aime bien jouer avec le crossover, je peux sortir du preset, et le preset ne va pas overwrite. D'accord. La vache. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ça c'est l'homicide, voilà. Ok, super, mais alors je croyais que... Ouais. En fait il y en a d'autres là, qu'est-ce que c'est que ça? On a des prototypes qu'on a ramenés pour montrer un petit peu aux gens. Pour enlever l'homicide. Ça c'est le fromageur, vous connaissez peut-être le plugin qui est sorti il n'y a pas longtemps, la réédition en tout cas. C'est un low pass. Alors pour le faire écouter ça va être compliqué, je crois que le prototype vient me lâcher. Donc il va pas sonner comme... Ouais bon, c'est un filtre, ok. C'est un filtre basse-bas ultra résonnant. Ouais. Et sauf que comme on fait pas comme tout le monde, on a mis un tone qui va permettre de faire un crossover avec... des harmoniques, donc c'est les bandes en fait, le nombre de bandes, ce sont des bandes pass filter qui sont rajoutées après la fréquence de cut-off du filtre passe-bas. D'accord, ouais. Donc ces bandes là, on les rajoute et on les dispatche en fonction de l'harmonique, de la répartition harmonique. Et on peut les délais les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on peut rajouter 50 millisecondes de délai et à ce moment-là, dans le son, les bandes plus aiguës arriveront en 50 millisecondes après les premières. Et ça fait des sons, ça fait des sons très bizarres. Je sais pas, on va les entendre correctement, mais moi j'entends plus rien. Moi non plus. Chao. C'est extrêmement bruyant ici. Et puis il y a une petite disto avant ou avant. On est dans une tente, il y a plein de monde, il fait très chaud, c'est une catastrophe. Voilà. Bon ok, alors voilà. Écoute, fromageur, ok. On a l'hématome. L'hématome, c'est un frequency shifter. Il n'y en a pas beaucoup en Eurorack. Et parce que ça fait des sons chelous. Ouais. Mais nous on aime bien. Alors on a mis une délai devant. Donc elle est cloquée là. Okay. Elle est cloquée avec un amende de feedback. Ça a été répartition. Et puis du coup quand je la ramène avec un son de base on a ça quoi. On peut en rajouter. On a un enveloppe follower qui va appliquer une enveloppe sur le frequency shifter qui est au milieu. Sympa. Et là on peut créer des tonalités totalement différentes sur notre son. Okay. Des shimmer reverb et des trucs comme ça quoi. Voilà. Mais en plus il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est un truc de fou, il y en a partout. Bah on va commencer par le kick. Le kick c'est... C'est lui le kick. Ça a été fait par Raph, qui aime bien la techno industrielle. Donc on a un kick qu'on peut pitcher avec son contrôle de lens. On a 8 algorithmes différents. Pas mal. En fait, l'algorithme va surtout jouer sur les transientes, puisque la partie boomy du kick, c'est un sweep, un filter sweep assez classique sur une sine wave. D'accord, ouais. Donc on a quand même son niveau et sa longueur et son pitch. Mais après, c'est l'attaque et le punch qui vont vraiment changer en fonction des algorithmes de transientes, tu vois. On a rajouté un filtre de ducking. Un circuit de ducking, donc tu peux mettre ta sortie complète, ton entrée, et ça va ducker sur le kick. Tu auras un mix derrière de ton kick ducké par rapport à side-chainé quoi, quelque part, avec ça quoi. Donc, voilà, ça c'est un kick bien complet, il y en a beaucoup, et puis on va sûrement sortir d'autres algos. Chouette son là, j'entends, ça me plaît beaucoup, ce que j'entends me plaît beaucoup. Puis on a fait un rumble. Voilà, c'est que la techno industrielle, le rumble, c'est important. C'est hyper important, ouais. Et bah, c'est 4 tapes délai, donc c'est un peu inspiré du Homeboys. 4 tapes délai, donc ça c'est les volumes, leur lens, leur taille ici. En fait, on enregistre le kick, et on va les répéter 4 fois en fonction des tapes, donc ça c'est la durée des tapes. Et on passe tout ça dans 3 effets, pardon. Un filtre, un multi-type. Multi-tap filter, gros pass, broad pass et low pass. Et après on a une reverb et une disto. Et les distos, on les reconnaît un peu quoi. Alors la disto, si elle est un peu trop forte et elle crée trop d'harmonique, on peut mettre le filtre après. Ah oui, tu vois, on peut changer le routing. Ah ouais. Donc tu mets ton filtre. T'as un code couleur, rouge. Voilà. Le rouge, le jaune et le vert. Le jaune et le vert, ouais, d'accord. Et donc là tu peux y aller en disto quoi. Et puis voilà, après ça... Et on peut tout CV... Et tout est CV, voilà. Tout est CV, tap lens, les taps... Et voilà. Sympa. Ah ouais. C'est tout ce qu'on a présenté pour l'instant. Bah c'est pas mal. Alors, dis-moi, tout ça, ça coûte combien et c'est dispo quand? Alors, celui-là est dispo déjà. Il est à 465 €. D'accord, ouais. Sur notre site. Ouais. Taxes comprises. Homicide. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des prototypes. Donc, vous ne les verrez pas tout de suite, mais bientôt, on espère. On espère que voilà ça. Bon bah en tout cas c'est cool. Voilà. C'est magnifique. Il y aura comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bah, je te souhaite un bon super boost. Merci à toi aussi. Allez salut. On s'abonne, c'est parti. Hop 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 hop. Go go go.